Alors, le 87 qui sera le boucé est le dernier lot de cette première section de Femelle Jeune. Elle est née le 3 mai. Elle est née le 3 mai. Elle nous présente déjà un modèle assez impressionnant par rapport à sa date de naissance qui est tardive. Une fille de voile de mots et barnonnée par son cri. Vous parlez de quoi, ça, s'il vous plaît ? Donc, de nouveau, une indipesse à l'envers, puisque la mère est pur sang. Elle nous a déjà produit Jean Kern, qui a gagné le prix romantisme à Auteuil, une course plate, mais qui était la bonne peur sur le premier. Famille de Fort Boyard, Royal Ball. Alors, il y a eu du plat et de l'obstacle hein, dans cette famille, notamment Royal Ball, qui a gagné le Trollbush Hurdle, groupe 1, on va pouvoir marcher. Et elle nous est présentée par M. Marc Augereau, qui nous vient de Lorette d'Argenton, dans la Sarthe. Ah. 72, c'est les deux Sèvres. Ah, il y a une faute de frappe. C'est pas 72, 290, ça doit être 79, 220. Hein. D'accord. Très bien. Alors, voilà de nouveau, nous sommes impayés. Alors voilà de nouveau, et la mère par Sikli, la grand-mère par Mondrian. Mondrian, c'est un étalon qui a fait la monte en Allemagne. Et d'ailleurs, on voit des souches allemandes dans cette famille, notamment Fort Boyard, qui a gagné quand même le Arthur von Weinerennen avant de devenir étalon. On va pouvoir trotter maintenant en liberté. Au trot, s'il vous plaît, au trot. Au trot, en liberté. Voilà. Voilà, on trouve aussi dans cette touche Liaison Fatale, une fille de Lord of Men, qui était deuxième du prix Brantôme-Angers, et surtout troisième du prix Caravelle, la, prix Caravelle à la Desgranges à Toulouse, qui a conféré sa qualité de black type. C'était le 87 poussé qui clôture cette première section de foule femelle jeune.